Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour tous les signes zodiaques. Donc tous les signes sont carrément invités sur cette vidéo. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, retrouvez-moi sur mon site de réservation. Le lien est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. Mais on va voir ce qui se passe ici avec tout le monde. I'm just supposed to give me a reading. I'm presenting the audience space with a message. Do you have fun? On peut se battre, on a ici le cœur de quelqu'un qui bat très fort. So, on a les émotions d'une personne qui vient de se réveiller. On a ici quelqu'un qui enfin réalise qu'il ou elle est amoureux de l'autre. Interesting. Je reconnais mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Au bruit qu'il a fait en claquant la porte. Whatever. Ok. Puis c'est parti, vous, il est probable que vous cherchez du travail. Vous cherchez du travail. Soit vous cherchez du travail, soit vous êtes au chômage depuis un certain temps. Et vous cherchez du travail. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que ce n'est pas le cas. Vous vous apprêtez à aller en retraite. Et vous êtes désormais en train de réorganiser et remettre en place certaines choses qui sont en rapport avec vos finances. Pour d'autres, si vous n'êtes pas au chômage, you know, vous êtes ici en train de restabiliser certaines choses qui sont en rapport avec vos finances, vos sources de revenus, un business que vous avez or something like that as well. Mais les choses vont revenir à leur place au moment où les choses doivent revenir à leur place, ok? Il est même probable que vous ne vous inquiétez pas vraiment, surtout si vous avez des problèmes financiers, vous ne vous inquiétez pas. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes séparés, divorcés ou encore si vous avez décidé de vous séparer une bonne fois pour toutes de quelqu'un, passer à autre chose, tourner la page, etc. C'est une décision que vous avez prise pour vous-même, votre bien-être. Vous avez l'impression que cette chose-là que vous avez perdue, que ce soit une personne, un mariage, une relation, une union ou un fiançailles, vous avez l'impression que vous avez décidé de laisser tomber cela afin de pouvoir être en paix avec vous-même, heureux ou heureuse en vous-même. Il y a quelque chose qu'une personne n'arrivait pas à vous donner, quelque chose qu'une personne ne vous donnait pas. Vous-même, votre joie de vivre est la chose la plus importante qui reste pour vous, ok? Ou la chose la plus importante à laquelle vous voulez vous accrocher. Il est probable que vous avez décidé de retourner à l'école, étudier, retourner à l'école, travailler dur. Here. Pour d'autres, vous aimez le roman, vous aimez la comédie, vous aimez les histoires d'amour, vous aimez les contes de fées, vous aimez les poèmes. Vous essayez de rentrer dans cette bulle-là qui, en fait, est une partie de vous, d'accord? Il y a une partie de vous que vous voulez retrouver, une partie de vous que vous êtes en train de retrouver, ok? On rentre maintenant dans les choses sérieuses. Je vous avais bien dit, si vous avez perdu un travail, mais si vous cherchez un travail, on a ici un travail qui vient vers vous. Pour d'autres, on a ici beaucoup plus d'argent à soi qui vient vers vous quand il s'agit d'un travail. So, si vous n'avez pas perdu un travail, par contre, et que vous venez de recevoir une promotion, c'est ici une promotion qui carrément vous permet de faire plein de choses. C'est ici une promotion qui carrément vous permet d'être qui vous avez envie d'être ou même de faire des folies que vous avez toujours eu envie de faire. Ok? And I like it, shit. Alright. Pour une autre partie d'entre vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes sur le point de vous marier. Je ne sais pas pourquoi je vois un scorpion. Je vois un scorpion, je vois aussi quelqu'un qui est du signe zodiaque balance ou balance ascendant.
Mais pour certains, on a ici, si vous êtes célibataire, les anges m'annoncent la fin de votre vie célibataire. Et pour d'autres, si vous aviez pris la décision de ne pas vous mettre en couple avec quelqu'un, d'abandonner quelqu'un, de passer à autre chose, de tourner la page, ou encore vous aviez l'impression que bon, vous n'êtes pas le genre d'une personne, que bon, c'est trop de travail d'essayer d'attirer l'attention d'une personne. On a ici les anges qui disent que vous... Cette personne-là ne veut pas vous perdre, cette personne-là ne veut pas vous laisser partir. On a ici quelqu'un, dès que vous tournez votre dos, on a ici quelqu'un maintenant qui s'intéresse à vous. C'est peut-être un scorpion over here. On a ici quelqu'un maintenant qui veut être avec vous. So, si la partie d'entre vous, vous risquez de passer de célibataire à en couple. On a une connexion qui va être une connexion très intéressante. Vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui est un freak. Skeletons in the closet. So, pour certains, vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui est très secrétif, un partenaire qui a certains vices, un partenaire qui veut être en couple avec vous, mais qui risque de vous dire qu'il y a certaines choses qu'il aime, certaines choses qu'il n'aime pas. Vous pouvez aussi ici être en couple avec quelqu'un qui est dominant énergétiquement, qui veut vous dominer. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment un problème pour vous as well. Ok, mais on a ici quelqu'un qui est célibataire qui risque d'être en couple très bientôt. Et pour d'autres, je vois ici à soi un mariage, alright? But, pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de forcer les choses, de changer la cadence des choses, de changer la cadence d'un couple, de changer la manière dont une histoire d'amour se développe entre vous et un partenaire. Disons ici donc que vous aviez décidé de provoquer une personne. Pour d'autres, il est probable que vous avez décidé de faire le tout pour le tout, pour plaire à une personne. Je ne sais pas, c'est qui ici à Zoua qui décide d'enfermer quelqu'un dans une chambre ou bien dans une pièce. You know, tu l'enfermes, tu bouques tout à clé, puis tu commences à te déshabiller devant lui or something. Et puis tu lui dis, si tu veux, tu ne me touches pas. Et puis tu commences à faire des trucs. Et puis à la fin, boum, il se jette sur toi. Mais pour une autre... mais pour une autre, c'est qui est fou comme ça là-bas? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de tenter le tout pour le tout, bien vous avez tenté votre chance dans une connexion, ok? On a même ici les anges qui me disent que vous n'êtes peut-être pas le genre d'une personne, vous n'êtes peut-être pas, ou encore vous n'êtes peut-être pas le genre de femme que, avec qui quelqu'un se met en couple d'habitude, ou encore pour d'autres, vous n'êtes peut-être pas le genre d'homme avec qui quelqu'un se met en couple d'habitude, mais il y a quelque chose entre vous et cette personne qui est irrésistible, une connexion qui est irrésistible. On a ici une envie d'emmener une connexion à un autre niveau, deux personnes qui n'arrivent pas à se résister, qui ne peuvent pas se résister. Et c'est ainsi qu'un couple va se former. Ok, on a une personne ici qui va se jeter sur une autre personne. On a ici quelqu'un qui va faire un effort pour être avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici les anges qui m'annoncent le retour d'un ex. Le retour d'un ex avec qui vous étiez censé vous marier, qui revient dans votre vie et cette fois-ci qui veut se marier avec vous. Je vois Verseau, Gémeaux, Balance as well. Mais pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vous rappelle votre ex, quelqu'un qui est comme votre ex. Et il y a une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière qui diffère de la manière dont vous aviez fait les choses dans le passé avec un ex. Vous voulez que les choses soient réelles. Vous voulez que les choses soient beaucoup plus intéressantes. Ok, on a the sun here. So, yeah, pour cette passion, on a ici quelqu'un qui ne peut pas vous résister. C'est trop difficile pour lui de pouvoir vous résister. On a quelqu'un qui veut travailler sur une union, travailler sur une relation. Pour certains, on a aussi ici les anges qui me parlent de quelqu'un qui est peut-être docteur, médecin, infirmière, ou encore quelqu'un qui est en train d'ouvrir. Pour d'autres, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est un chercheur scientifique.
Bon, on a ici quelqu'un qui veut se battre pour vous. Pour nos patients, on a aussi avocat, étudiant en droit, étudiant scientifique. Ça dépend de ce que vous faites. Pour d'autres, je vois ici à Zoé quelqu'un qui est speaker. Peut-être que vous êtes, vous parlez pour gagner votre vie, something. Mais je vois ici quelqu'un qui veut vraiment. Attends, moi je comprends pas ça. Ça, c'est quoi ça? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il y a une situation same-sex dans une situation. Peut-être que vous et votre partenaire, vous êtes du même sexe à soi, OK? Ou encore, on a ici deux personnes qui sont du même sexe. Pour certains, on a ici quelqu'un qui a décidé de sortir de son closet. So, si vous étiez, pour certains, il est probable que, vous êtes un homme et au fond de vous, vous savez que vous êtes homosexuel or something. On a ici un homme qui a toujours vécu une vie clandestine derrière les rideaux avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, il y a une connexion intime entre vous, une connexion intime et secrète entre vous et quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous cacher. Pour d'autres, peut-être même que, bon, la secrecy d'une connexion dans laquelle vous étiez a toujours, c'est toujours cela qui a mis du piment dans un couple. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous cacher, sauf vous risquez d'avoir une conversation avec votre partenaire comme quoi il faut qu'on come out, il faut qu'on se dise à tout le monde que bon, voilà, on est into each other. Alors, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une situation taboue, connexion taboue entre vous et quelqu'un avec qui vous êtes dans une connexion taboue, les choses sont taboues entre vous et vous n'avez plus envie de vous cacher ou encore une histoire d'amour qui est taboue, deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment mais qui se cachent, qui cachent à tout le monde qu'ils s'aiment, ou encore deux personnes qui s'aiment mais qui ne se sont pas encore dit qu'ils s'aiment. Le moment est arrivé de vous dévoiler les sentiments, ou encore on a ici quelqu'un qui va se battre pour vous et qui ne va pas vouloir vous perdre dans ce sens-là as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire. Retrouvez-moi sur Vimeo pour la suite. On a Balance, Gémeaux, Verseau, on a, ça c'est quoi ça? Lion, on a les lions ici, on a Cancer, Poisson, Scorpion, tout le monde est ici, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion et Vierge, Taureau, Capricorne, à tous, je vous avais bien dit que ça c'était une lecture pour tout le monde. Ok? Bisous, bye bye.